L'implantation des technologies dans le milieu rural africain est un point de passage obligé si l'on veut assurer le développement rural. Jusque-là, il y a des structures qui ont résisté à cela, des structures qui reçoivent de l'aide, de l'argent qui leur permet de survivre et qui ont chaque fois clamé que les petits agriculteurs africains ne sont pas aptes à utiliser des technologies modernes dans la production végétale. Ceci doit changer. Cependant, il est clair que si l'on introduit ces technologies dans le monde rural, que ce soit des mini-tracteurs, des petites charrettes, des excavateurs ou des appareils d'irrigation pour la micro-aspersion, pour l'irrigation localisée, qui utilisent aussi le solaire, bien entendu, avec tous les accessoires, ont besoin de maintenance. Voilà pourquoi nous, avec l'expérience que nous avons dans le développement rural, nous estimons qu'il est indispensable de non seulement faciliter l'introduction de ces technologies dans le milieu rural, et en particulier, nous pensons que cette introduction va marcher plus facilement si l'on cible les agriculteurs ou agricultrices qui sont fermiers, chefs de famille. Parce que quand la technologie a été attribuée à la famille, il y a de grandes chances que ça tienne. Nos structures traditionnelles fonctionnent comme ça. Nous encourageons à mettre en place les technologies, mais en dotant plutôt les familles. Plutôt qu'à vouloir, comme on a essayé à plusieurs reprises ici, nécessairement regrouper les gens, parfois sur une surface aussi petite qu'un hectare, on regroupe 50, 25 ou même 100 personnes et puis on est confronté au problème essentiel de maintenance. Parce que quand vous regroupez sur une surface de 1 hectare, 50 personnes, qui est responsable de la maintenance? Alors que quand la technologie a été transférée à la famille sait qu'elle doit entretenir cette technologie. Cependant, par expérience, comme c'est des technologies qui sont nouvelles pour la plupart de ces gens, nous avons proposé que on puisse faciliter le contrat entre la famille ou le propriétaire de la technologie et un maintenancier privé. C'est-à-dire un maintenancier qui peut être un technicien, un ingénieur qui connaît cette technologie et qui peut passer de manière périodique ou sur convocation des propriétaires des technologies pour faire une supervision, pour faire un contrôle sur l'espace où la technologie est utilisée et peut dire s'il y a tel ou tel élément, tel ou tel composant qu'il faut changer, qu'il faut entretenir. Et de cette façon, il est clair que la technologie va pouvoir durer dans le temps. La plupart de ces technologies, c'est minimum 15-20 ans lorsque l'entretien suit. Donc la longévité est directement corrélée à la capacité de maintenance. Il est complètement incongru de dire que nos petits agriculteurs ou nos cousins, nos parents, nos oncles qui sont dans les villas sont incapables de gérer ces technologies et se baser sur ça pour empêcher le développement rural. Ce paradigme doit changer.